Je sais pas si vous verrez, mais Prince a voulu tester le poulet mexicain hier. Enfin, cette nuit du coup, parce que j'avais oublié de mettre le restant au frigo. Du coup, il a voulu se servir, mais je crois qu'il a pas du tout aimé. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Il est 8h25. Prince a le décalage horaire dans la gueule. Il me réveille à 7h30, je n'en peux plus. C'est beaucoup trop tôt pour moi. Parce qu'à Athènes, il est donc 8h30 et c'est l'heure à laquelle on se lève habituellement. Donc, petit frappé ce matin. Voilà, avec petit croissant Nutella, comme d'habitude. Donc le programme d'aujourd'hui, je dois aller à Action acheter des choses, genre sopalin, un truc à la con, etc. Et j'aimerais bien voir aussi pour faire tout ce qui est argile. Je sais qu'il y en a beaucoup à Action, donc j'ai envie de voir tout ce qui est loisir créatif. Et faire un petit tour aussi, parce que ça fait très longtemps que je suis pas allée à Action. Et après j'ai envie d'aller à Ikea pour voir pour la housse de mon canapé parce qu'il faut la changer à cause des dégradations qu'il y a eu. Donc faut que j'aille à Ikea et puis j'ai envie de voir aussi les petites nouveautés, enfin ça fait longtemps. Donc ça va être un petit vlog shopping, vlog magasin, etc. comme vous aimez bien. Et après il y aura un haul, ce sera pas dans cette vidéo je pense pas, il y aura un haul dans la vidéo suivante, le lendemain comme d'habitude. Ensuite dans la deuxième partie de la journée, ça je pense que je vous le filmerai à part, j'essaierai de vous faire des vlogs travaux à part, pas mélangés. Je vais aller dans l'appartement d'un de mes amis qui est donc en travaux. C'est lui qui a fait les travaux lui-même, donc je vais aller découvrir son appartement parce que je ne l'ai pas encore vu. Donc voilà, on va faire ça cet après-midi. On doit peindre, je crois, sa chambre et nettoyer, etc. Donc on va aller acheter à Action pour nettoyer un appartement, quoi, parce qu'il a rien du tout. Donc voilà le petit programme des vidéos. Donc je vais me réveiller tranquillement. J'ai vu que j'avais 1 milliard de mails à répondre parce que nous sommes mardi. Lundi hier, il y a tous les mails qui arrivent et j'ai rien regardé. J'étais tellement fatiguée. Donc écoutez, let's go pour cette petite journée. Bon, je viens de voir que j'ai plus de batterie. J'avais reçu ça. Je vous l'avais montré et présenté dans une vidéo. Mais je ne l'avais pas testé encore. C'est un nettoyant moussant au glucoside de la marque The Ordinary. C'est un assez grand format. Tout le monde me dit du bien de ce produit-là. Donc écoutez, on va le tester. Ça n'a pas d'odeur. Ça mousse légèrement. Ah si, il y a une odeur quand même. C'est pas une odeur agréable. Enfin, c'est une odeur, je vais pas dire chimique, mais un peu. Alors ma peau, elle est toute bien nettoyée. Elle est pas douce. Elle est, j'ai l'impression qu'elle a été décapée. Mais franchement, c'est hyper agréable. Je suis pas tiraillée, donc ça c'est cool. Donc je vais remettre le sérum correcteur de chez Aven que je vous ai présenté dans un dernier vlog. J'aimais pas trop la texture, c'était assez collant. Peut-être que je l'appliquerai plutôt le soir parce que c'est assez collant et ça part au bout de quelques minutes, mais je sais pas, ça fait un effet de matière après, c'est pas terrible. Et après donc cette crème à l'aloe vera SPF 50, là cette fois-ci je vais en mettre un tout petit peu parce qu'elle est vraiment hyper épaisse. On dirait vraiment on dirait une crème solaire quoi, c'est exactement la même chose. Et ça sent l'aloe vera de ouf. Elle est hyper agréable. Là, vu que j'en ai mis un peu moins, c'est beaucoup moins épais. C'est hyper agréable, j'aime trop. Voilà. Franchement, c'est énorme, le format est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a quand même du 150 ml, ça va durer une éternité. Hein. Vraiment, j'adore le packaging, je trouve ça trop beau. Donc ensuite, on va se faire un petit make-up. Je vais me brosser les cheveux. Je vais m'habiller et on y va. Du coup, je suis à Ikea, là. J'ai vu des tapis. On a pas... Enfin, c'est une nouveauté, je crois. Sorto, 5 euros. Ils sont vraiment beaux. Pour même sur le balcon, en dessous de la table et tout. Moi, j'aime bien. Ce balcon, ça... j'en ai un comme ça, en plus. Trop beau. Il existe en beige. C'est pas une puta, c'est une pruta. T'abuses. Oh là là. Elle m'a dit, regarde, il y a une puta. J'ai pas compris. Oh, ça, c'est bien, ça. Regarde pour les petits... Pour le manger quand tu dois aller travailler pour mettre ta gamelle au lieu d'aller payer 10 balles un plat. Il y a des trucs arc-en-ciel. Il y a un plaid d'arc-en-ciel. J'adore. T'as une tête de place, t'as 600 balles quand même. Tu sais qu'à Athènes c'est genre 1500 ça, genre c'est vraiment abusé. À Ikea, à Athènes c'est pas. C'est pas incroyable. C'est un arrosoir. Putain, je l'avais jamais vu ça. Du coup, toi t'aimes pas ça? Moi, c'est ceux-là, ouais. Oh là là. C'est beau. Oh, j'aime trop. Oh, j'adore la table basse. Ah, mais c'est ça le canapé que je t'avais pris de base de Soderman. Moi, ça soit trop profond. Il était beau, hein. Un peu bas, peut-être. Oh, le tapis, il est moelleux. Gollum, elle kifferait trop. Alors, il est confortable avec les coussins derrière, mais sur d'assises. C'est pas ouf. Moi, j'aime bien quand c'est ferme.
En plus, c'est des houssables, je crois. Hein. Celui-là, il passe vraiment pas, genre, c'était vraiment. Bah, je sais pas. Ta mère, elle m'a dit non. C'est quelques de Christine qui sont pas bien. Ah, faut remesurer, moi, je te dis, il faut tout remesurer. Faut que je refasse les plans moi-même. Ouais, même, là, tu vois, je t'avais fait un truc mural, moi, de base. Tu vois, pour si t'ouvrais. Mais là, bon, ça sert plus à rien. Petite salle de bain. Ça fait longtemps que je suis pas venue. Ah, faudra qu'on achète un rideau de douche à bah, Ikea, tiens, ils sont pas chers, c'est celui que j'avais. Du coup. Ah, je sais plus si c'est, moi c'est un Grönlid ou un Vilm. Oh, je sais plus. Parce que je l'avais pas. J'avais payé. Oui, et j'ai le coffre aussi là. Oui. Et j'avais acheté ça aussi pour. Là. Ah, c'est ça qui fait le bout ? Ouais. Donc c'est ça. Ils ont pas mis les différentes couleurs ? On va se faire foutre ? Bon, on va aller se faire foutre. J'aimerais bien avoir les différentes couleurs. Oh là là. J'aimais bien cette couleur-là, beige, un peu grise. Non, il est vachement bien celui-là. En plus, j'adore la couleur. Ça irait trop bien chez toi, celle-là. La couleur, là, elle est magnifique. Oh, putain, le prix, c'est vraiment pas cher. Hein. Je suis sûre, quand j'ai pris la photo pour toi à Athènes, c'était 1700, je crois. Enfin, pour deux places. Frid Tuna, le nom de la housse, je crois. C'est celui-là que tu m'avais dit, non ? Non, c'est Kivik. Oui, Kivik. Oui, c'est ça. En gris, il est pas. Enfin, j'aime pas les coutures. Ah ouais. Oh, par contre, c'est doux. Hein. On est bien dedans. Après, ça peut faire cosy. Hein. Ah ouais. Ah, attends. Il y a une étiquette qui est en train de m'arracher les cheveux pleines. Non, mais de... là, faut avouer, on est bien. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop affaissé ? En vrai, c'est. Ah, ma mère va me ramener ça aussi, là, ce qu'on voit en face, là. Ce que j'avais dans ma chambre. Oh non. Bah, le temps que j'ai pas de qualité. Ça, là. Mais ouais, il était bien. Par contre, j'aime pas les coutures. Après, bon. Il est beau, hein. Ah, bah regarde, t'as toutes les couleurs de housse. Y'a pas ça pour l'autre, là ? Oh, un rose ! Le genre de vert, c'est joli, ça. Oh, ça, c'est beau, hein. Y'a pas ça pour moi, là ? Pense à Gollum qui va faire ses griffes. Ah, t'aimes bien le style industriel. Ouais. Bah, du coup, y'aurait ça, peut-être, en meuble TV. C'est pas un meuble TV, c'est un banc TV, hein. Oh, maison vide, facture... En fait, ouais. Il veut plus le Soderman parce que ça fait très psychologue. Je suis sûr que ça, c'est pour un comptable. Tu sais, là. Oh putain, le dossier. Le Vlablo. Du coup, on a commandé mes accoudoirs. 50 euros l'accoudoir. Deux accoudoirs à changer. On est ravis. Oh, j'aime bien la boule, Fado. Ouais, oh, tu veux pas une boule ? T'en as oui. Déjà deux, mais bon. Mais, ah ouais. Mais... Oh, c'est nouveau, ça. Je préfère quand même ça là-bas. En fait, tu vois, tu l'as en comme ça, sinon, mais après ça fait un peu petit. Ouais. Moi je vais allumer la boule. Ah, la boule est en train de bouger là. J'arrive pas, au secours. Ça marche pas, je vais me faire foutre. J'aime trop la porte. Et c'est... Mais tu sais que dans les plans, je t'ai fait un truc comme ça avec les mêmes portes en bas. Ouais, t'as pas aimé mes plans. Parce que c'est. Oh, j'adore. Tu vois, tu peux même mettre ton DVD. Oh. En fait, c'est juste les portes que j'aime. J'aime pas le meuble, j'adore les portes. J'avoue, faut penser à Gollum et à ses griffes de raptor. Oh, mais elle va se faire hyper mal si elle se met. Du coup, elle griffe ça. J'avoue, Gollum, elle pourrait pas griffer. Quoique, soit elle kiffera, elle fera. Tu l'entendras dans la nuit. Tu veux pas acheter ça pour Gollum ? Si, j'avoue, ça serait trop bien. 45 euros. Je suis sûre qu'elle kifferait de ouf. Elle se mettrait, tu sais, sur le cul. C'est combien ça ? 45. Je suis sûre que sur le bon coin, il y en a plein. Mais là, il y avait pas mal de petites nouveautés. Il y a même en marbre. T'aimes pas le marbre ? J'aurais aimé ça, tu vois, parce que j'aurais aimé ça. Ouais. Juste ça, parce que ça. Parce qu'il y a des lumières ? Oui, oui. J'en suis sûre. Regarde, il y a ça aussi. Mais j'aime pas ça, parce qu'il y a des traces. Mais les portes, comment on fait ? J'ai peur. Oh là là. Ah, oh, c'est un tiroir. Non. J'ai peur. Mais j'aime bien la façade. Ah, il y a pas mal de belles nouveautés. J'aime beaucoup. Ah bah voilà les portes. Mais c'est incroyable. C'est ça qu'il me fallait. Regarde, tu vois, tu peux choisir la porte que tu veux. Oh, j'aime bien celle à 35 euros. C'est beau. Depuis qu'il a vu des sublimes décorations avec ce meuble-là en bois avec tous les bocaux, il a adoré. Et du coup, il y a ça qui est plutôt pas mal. Donc c'est la même gamme que ça, mais en version horizontale. Et c'est 1m40. Ça fait pile poil la longueur de ces meubles de cuisine. Je crois, dans mes souvenirs. Donc on va peut-être prendre ça au lieu d'acheter des planches à Leroy Merlin. Parce que celui-là, ça, c'est super bien. T'as deux étages, ça tient très très bien en plus. Et il y a des petits crochets. Et ça fait que 4 trous. Tu veux les trucs là-bas, là ? Mais je les ai vus, ils étaient là-bas. Ah, bah. J'ai trouvé une future mug. Oh non, pas ça. Mais si, mais regarde, c'est pas cher. Mais t'as un meuble où il y a marqué puff en dessous ? Non, au-dessus. Ah, tu veux un mug comme ça ? Bah, j'en prends 10 comme ça. Non. Tu veux pas avoir des mugs avec des souvenirs ? Et là, c'est d'efficacité. Ah, putain. Il est vraiment pas pareil. C'est fou, hein.
T'es bien un vierge, toi. C'est incroyable. Vierge et poisson, c'est les alter ego. Vraiment opposé, total. Mais pas en conflit. Genre opposé, harmonieux. Il y a des petites plantes. Ah, elles sont tellement moins chères qu'à Athènes. Oh, c'est ouf. Ça s'appelle comment, ça? Hein? Aucune idée. Un yucca. On dirait une teub ou une érection. Oh, mais Gollum, elle est tellement conne qu'elle va en bouffer. Oh, donne-lui ça. Ils vont lui manger son petit nez. C'est ça que j'avais à Athènes. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. En verre, comme ça, c'est toujours mieux que le plastique dégueulasse. Support beaucoup. MDR. Ouais, mais c'est joli et en même temps, c'est inutile. Oui. Je regarde s'il n'y a pas des promos là-dedans. Parce que ça, ça tient jamais. Ça, avec l'eau, ça pète et tout. Genre, c'est n'importe quoi. Ouais, oh, c'est nouveau. Après. Bah oui, je sais. Quand on aura fini les travaux. Hein. Mais au moins, tu vois le budget que ça fait. Ça calcul. Cher, ça. Oui, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah ça fait ça, ça. Et je suis sûre que tellement il est inconscient, il regarde même pas ce qu'il prend, il prendrait des trucs comme ça par 10. Et qu'après, à la maison, il dirait « Putain, mais c'est quoi ces stickers ?» Vous imaginez même pas le haul Ikea qu'on va avoir. Ouais. Je suis tombée sur celles-là, elles sont assez sympas. Mais je sais pas si... Quoi, un truc comme une gamelle de Téba. Putain. En même temps, t'as un gros chien, c'est pour toi, hein. Je suis désolée. Hein. Sinon, t'as des... truc comme ça là. Moi je veux un truc en forme de gamelle de clips. Putain, après il va demander un collier pour chien. Mais tu vois, t'as des trucs comme ça par lot 45 euros je crois, avec 4 petites, 4 grandes, 4 machins. Genre, j'avais vu un truc comme ça sur Ikea. Ouais. Ah, même si un peu trop lisse. Ah bah regarde celle-là, c'est sympa non? Ouais. Oh, ça, gamelle pour ça, chien, parfait pour toi. Ouais. Parfait. Un peu plus grand. Pareil mais un peu plus grand. Mais regarde, elles sont vraiment sympas. J'avais pas vu celle-là. Regarde, on dirait un peu celle que j'avais achetée à Athènes, mais version industrielle, quoi. Ah, c'est 13,99€ les deux pièces. Ah, j'aime beaucoup celle-là. J'avoue, c'est beau. Ça rappelle vraiment ce que t'as pris à Athènes, là, pour le coup. Ouais, non, Athènes, c'est quand même plus joli. Hein. Mais ouais, ça, c'est vachement beau. Sachant que tu vas jamais inviter des gens, parce que t'as un gros crevard. En plus, là, t'as vu, en bol. Ça, c'est bien, ça, pour tes trucs. Y a pas en grande assiette? Je viens de tomber sur ce verre. Il est gigantesque. Attendez, hop. C'est lequel? Bâtonnet, non, c'est pas ça. Ah, c'est une carafe. 13 balles, putain. Je viens de voir ça. Oh, c'est super lourd par contre. C'est trop trop beau. 10 euros. Oh, ça, j'adore. Ça, vraiment, gros kiff. Là, je suis à Alice Délice. Il y a des pichets vraiment trop choux. C'est trop trop beau. J'aime trop cet endroit. Il y a tellement de choses inspirantes. C'est là que j'ai acheté mes... Ça, c'est archi bien aussi pour mettre les couteaux. Et c'est ça que j'ai, des toiles comme ça, là, en jute. Ah, bah pas trop cher, là. XL, S, 1,74€. Et c'est là où j'ai tous mes trucs pour la pâtisserie. Franchement, c'est trop bien ici. Trop bien. Bah, je vais acheter ça, après je vais à Action. Et ça, du coup, c'est mes couteaux. Et avant, ils ne faisaient pas en pack. Genre là c'est super bien, il faut un pack. Bon, je suis rentrée, j'ai mis ma minerve parce que j'ai extrêmement mal au cou, j'ai fait un faux mouvement tout à l'heure. Donc je vais me démaquiller, je suis trop contente de revoir ce petit produit chez Garnier. Je m'étais démaquillée avec des produits de merde là pendant tout cet Erasmus. Donc là je suis trop contente de retrouver enfin quelque chose de bien, de compétent. Donc j'ai fait un tour à Action, en fait il y avait tellement de gens, il y avait une queue de bâtards, il y avait, enfin vraiment c'était des bandades. Donc ben, j'ai rien filmé, j'ai pris quelques petits trucs que vous trouverez dans les vlogs travaux. Je pense que je vais vous faire les vlogs travaux pour le week-end. Ça, vous aurez ça que le week-end, je pense. Donc je pense qu'il y aura l'appartement tour, enfin, le premier vlog des peintures, etc. J'utilise ça aussi comme lotion, c'est plutôt bien, c'est Sephora. C'est niacinamide et au zinc. Ça, je vais en mettre un peu partout. Ça, c'est que le soir. J'ai acheté des produits ménagers à Action. Enfin, je ferai un haul un peu plus garni quand je reviendrai, qu'il y aura un peu moins de gens. Parce que je dois acheter vraiment beaucoup de choses à Action. Il y avait trop de gens, trop de monde, et les rayons étaient vides. Enfin, vraiment... Action quoi. Tout ça. Ensuite pour le soir, j'essaie de finir donc mon petit sérum de chez Sephora. J'espère en tout cas que cette petite escapade à Ikea vous aura plu. Il y avait plein de nouveautés. J'ai un bon d'achat de 10 euros en plus là, pour la prochaine fois. Donc je vais l'utiliser. Je pense que je vais acheter les bougeoirs que je vous ai montré là. Et pour le soir, je mets plus trop de crème en fait. Je mets des petits sprays comme ça hydratants de Mario Badescu.
Là, vraiment, la fatigue commence à se ressentir entre bah, les travaux et bah, je cours à gauche, à droite. Enfin, vraiment, je cours toute la journée. On va faire d'autres vlogs comme ça, shopping, ne vous inquiétez pas, parce que là, vraiment, il y avait trop de gens. Donc, je repasserai bah, quand il y aura beaucoup moins de gens, je vous montrerai un petit peu mieux tout ce qu'il y a et tout dans les magasins. Faut que je fasse aussi du shopping. J'ai trop envie de juste voir ce qu'il y a comme promotion, etc. Parce que j'aime bien voir ce qu'il y a dans les magasins. Et voilà, écoutez, j'espère sincèrement que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTO. À vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour le prochain télévlog. Bye bye.